bien bonjour mes amis Capricorne et bienvenue sur la chaîne du tarot de l'œil du chat pour votre tirage sentimental, amoureux, émotionnel de votre mois de mai 2021. Alors, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est bien évidemment la vôtre. Vous avez une seule arcane majeure qui est la lune. La tour. Donc il y a quelque chose qui relève du chaos, du scandale, il y a quelque chose de bouleversant. Nous avons de l'épée à deux endroits, nous avons du bâton, nous avons de la coupe, nous avons du denier. Donc c'est un ensemble cohérent. Par contre, je remarque qu'il y a quand même quelques cartes inversées, comme des événements qui se trament sans que vous en ayez le contrôle, je dirais. Allez, c'est parti, on avance tout de suite. Vous entrez avec cette énergie de 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est la personne qui se sent bien dans sa famille, dans ses émotions, et elle élargit son cercle émotionnel au-delà de son petit cocon familial. Donc la 4 de coupe va nous renvoyer à une personne qui va avoir envie de faire un repas de famille avec ses parents, ses grands-parents, ses oncles, tantes, frères, sœurs. Besoin peut-être de retrouvailles parce qu'il y aurait une forme de nostalgie à vivre un peu trop renfermés les uns sur les autres. Et il est possible que l'ouverture du déconfinement vous mette vous particulièrement en grande joie, hein, d'un point de vue purement émotionnel, sur ce mois de mai. Enfin, ça se ressent, moi je le ressens comme ça. Qu'est-ce qui vous chagrine? Qu'est-ce qui vous détournerait de cette situation? Eh bien, c'est la valet de bâton inversée. Alors, la valet de bâton, à l'origine, c'est un signe, c'est une personne qui... Il y a toujours du feu, hein. Chez vous, on voit que la terre et le feu sont intimement liés. Ça peut être une personne qui soit bélier, lion, sagittaire. Ça peut être dans votre ascendant, votre signe lunaire, ou c'est l'énergie du feu qui vous inspire. Il n'empêche que vous vous détournez de cette 4 de bâton à cause probablement d'une situation qui vous met en difficulté. Quelqu'un qui s'était peut-être engagé et qui n'est pas allé jusqu'au bout de son action, peut-être. Ça peut être aussi une rivalité par rapport à ce feu, un chagrin émotionnel par rapport à ce fait que vous voulez élargir votre coup. Peut-être que certains d'entre vous ont perdu des êtres chers et qu'ils auraient aimé les avoir auprès d'eux au moment où on a envie de faire le repas de famille. Voyez, c'est un petit peu ça. Donc, ça peut être aussi une personne que vous enviez, que vous jalousez, que vous aspirez à voir à vos côtés. On va pas l'exclure, c'est pas impossible. C'est une personne, en tout cas, comme elle est inversée, c'est une personne qui... une rencontre qui ne se fait pas. Hein. Vous voyez, le côté aventurier qui devait avoir lieu, et ben là, on ne l'a pas. On ne l'a pas, alors que vous, votre envie, c'est cette nostalgie familiale, cette envie de vivre passionnément en famille. Il y a quelqu'un qui manque. Voilà ce que ça semble dire dans votre tirage. Pourquoi? Alors, vous venez d'un passé où il y a eu la 3 d'épée. Donc, il y a quand même probablement eu des discours qui ont pu... vous chagriner, ça a pu aussi être des histoires à dormir debout. Vous voyez, il y a eu des peines et des tristesses dans ce passé. Hein. Soit les mots qui ont été dits vous ont blessé, soit les situations vous ont chagriné. Ça a peut-être même pu aller jusqu'à une crise identitaire. Qui suis-je? Où vais-je? Comment suis-je? Etc. Donc c'est pour ça, effectivement, que... on ressent ce besoin de sympathie, ce besoin de se regrouper et en même temps un chagrin du passé qui remonte à la surface. Hein. Clairement, ça enlève une certaine joie à être bien dans son cocon. Dans votre plus grande force, c'est votre reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est celle qui a des connaissances, pour qui la communication est fluide. C'est celle qui est aussi très tranchée dans ses prises de position. Elle a des vérités qui lui viennent d'ailleurs. Elle ne les explique pas. C'est aussi une personne qui est particulièrement charmante, sensuelle, une personne avec qui on aime passer du temps parce qu'elle sait s'exprimer, elle sait se faire comprendre des autres. Et puis, c'est aussi une personne qui est déterminée, courageuse et qui est capable de mettre en marche tous les défis. C'est aussi une personne, comme je vous le disais, qui a la capacité de parler avec les anges, c'est-à-dire de voir au-delà de ce qui est vu et au-delà de l'écoute. C'est une personne qui a suffisamment pu comprendre dans les messages qui lui étaient donnés
positivement ou négativement autour d'elle, elle a pu faire la part des choses, éclaircir les choses et de ce fait avoir une capacité de voir à travers le mot en fait. Hein. C'est-à-dire une simple phrase « je vais à la messe », la reine d'épée, elle est capable de l'interpréter sous différents aspects. Et vous, vous avez cette force-là sur ce mois de mai, probablement que ça vous vient effectivement d'une clarification qui vous vient de votre passé et voilà, il y a une vérité. Donc je pense que s'il y a des difficultés, vous arriverez à y mettre les mots et avec courage, charme et détermination à exprimer vos opinions. Dans votre état d'esprit, on a cette 7 de deniers. Donc vous avez toujours, ben, ça va bien avec le Capricorne, cette envie de réussir. La 7 de deniers, elle va nous parler de patience ou d'impatience. Dans votre cas à vous, j'ai plutôt le sentiment que vous avez beaucoup attendu. Et que maintenant, il faut impérativement qu'avec cette 7 de deniers, on puisse avancer, faire de nouvelles rencontres avec d'autres personnes, sortir de sa grotte. Voyez, vous avez, on voit que vous avez envie, voyez, cette 4 de couple là, qui dit qu'on a une nostalgie, une forme de nostalgie d'un passé où il y avait beaucoup de relationnel et où on a envie effectivement d'être bien en famille, d'être bien dans l'environnement. On élargit son cercle. Et dans votre état d'esprit, vous avez vraiment envie de sortir de votre grotte pour aller voir du monde. Hein, quand bien même, il y a un chagrin résiduel. Hein, on est bien d'accord. Hein, on a besoin de prendre l'air. En fait, c'est ça, hein, sur ce mois de mai. Alors, votre présence, c'est encore une carte inversée. C'est la roi de coupe inversée. Ici, cette roi de coupe va nous parler d'une forme peut-être de scandale, d'ambiguïté ou d'une absence de scrupules à aimer l'autre dans la relation. Il y a quelqu'un qui est faux autour de vous. Alors là, le roi de coupe, ça pourrait traduire bien sûr un signe d'eau, qu'il soit scorpion, cancer ou poisson, quelqu'un qui a peut-être, qui sait peut-être en ascendant ou en signe lunaire, bien sûr. Si vous êtes dans ce signe ascendant ou ce signe lunaire, ça peut être vous, c'est-à-dire que vous avez quelque chose à sortir, que le trop gentil... la trop gentille personne que vous avez été n'a pas trop envie de l'être ce mois-ci. Elle a envie effectivement d'aimer, d'être bien chez elle, mais elle a quelque chose à sortir. Hein. On voit que cette 3 d'épée là et cette reine d'épée ont besoin de dire les émotions telles qu'elles sont. Et cette roi de coupe là inversée va nous renvoyer donc à une personne à qui les mots vont être dits peut-être avec un peu de brutalité. Où on va pas être trop dans la gentillesse par rapport à l'autre, vous pouvez la subir bien évidemment. Et puis avec cette 3 d'épée inversée, on n'est pas dans le sens de l'humour, hein. C'est pas drôle. Voilà, voyez, c'est ça, c'est pas drôle. On veut s'ouvrir l'esprit, on veut s'aimer, mais on a le sens de la gravité par rapport à ce qui s'est passé de ce passé-là. Alors, qu'est-ce qui se passe au fond de vous, dans vos tripes, votre inconscient? C'est encore une carte inversée avec cette valet d'épée. Donc, vous voyez, on réfléchit beaucoup hein, sur ce mois de mai, hein, mes amis Capricorne. Y a une forme, au fond de vous, c'est j'ai envie de vivre passionnément, de façon inconsciente, bien évidemment, et sans vous rendre compte, peut-être avec une certaine imprudence. Peut-être que vous voilez la face, peut-être qu'au contraire vous avez vu certains mensonges qui ont été réalisés, notamment dans votre présent. Il y a la valet de bâton aussi, voilà. Il y a peut-être eu de l'imprudence, il y a eu peut-être une perte, il y a eu. Voilà, mais on a envie de foncer, on a envie de relever certains défis qu'on s'est fixés. Même sans se les fixer, on s'est fixé des... On a envie d'aller à droite, on a envie d'aller à gauche, voilà. Il y a un côté un petit peu impétueux et il y a un côté un peu insouciant au fond de vous. Je pense que c'est réactionnaire, réactionnel. C'est pas quelque chose que vous vivez pour le plaisir de vivre. C'est plutôt une conséquence de ce passé qui remonte à la surface. On a besoin de s'ouvrir l'esprit et on est empêché un petit peu par un chagrin du passé. Bon. Votre défi, ça va être donc pour surmonter ces hauts et ces bas, c'est la tour. La tour nous renvoie évidemment à quelque chose de chaotique, à quelque chose qu'il faut oublier ou se réfugier. Voyez, c'est le signe d'un grand bouleversement, ça, hein, littéralement. Et il y a soit
un deuil à faire du passé, soit au contraire, il y a la nécessité de fuir ce que l'on a vécu depuis un petit moment pour dire de vivre autre chose, là où effectivement la maison s'effondre. C'est aussi une clarification des choses telles qu'elles se manifestent. Et moi, je vois clairement que c'est plus, j'arrête de rester confinée chez moi et je m'étends sur l'extérieur. Je le ressens comme ça, on sent qu'on a envie d'aller voir ailleurs, hein. On a un besoin de bouger et de s'évader. Alors, quel est le chemin que vous allez prendre avec tout ça, hein, sachant que ce défi, ça suppose effectivement de voir le chaos, de le vivre et de regarder cette émotion-là telle qu'elle se présente à vous. Eh bien, c'est cette 6 de bâton. Il n'est pas question de fuir, en fait. Je ne vois pas quelqu'un de fuyant. Le Capricorne est particulièrement courageux, c'est bien connu. Alors, cette 6 de bâton, elle va nous renvoyer à quelqu'un qui est victorieux. Vous allez gagner dans la confrontation devant la rivalité. Vous allez démultiplier tous les efforts, vous allez faire en sorte d'aller chercher la connaissance et la reconnaissance avec cette reine d'épée, vous allez exprimer vos besoins et vous allez gagner, vous allez être victorieuse sur ce mois qui pourrait être bon an, mal an, bien et moins bien, mais l'un dans l'autre, vous allez avoir une action d'agir, une façon de vivre, de vivre les émotions, du moins qui va être une vérité, et cette vérité-là, lorsqu'elle sera mise au plus grand jour, lorsqu'elle sera exprimée, va vous permettre effectivement de vivre votre vie et de la vivre, du moins sur cette fin de mois, sur cette fin mai, comme quelque chose d'heureux et de réussi. Voilà, mes amis Capricorne, allez, maintenant je vais compléter votre tirage avec le psychotarot du docteur Roussel. Roussel, ouais, c'est ça. Et je vais faire l'approfondissement sur Vimeo. Donc si vous êtes intéressé, si ça vous parle, ce tirage, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ce site. Vous cliquez sur le lien qui est en description, vous êtes renvoyé sur Vimeo et notamment sur la playlist de votre signe. Vous choisissez location pour l'accès à cette unique vidéo ou l'abonnement qui a un prix bien évidemment plus favorable pour avoir accès à votre tirage général, votre tirage sentimental. Et d'ailleurs à tous les tirages de votre playlist. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous avez la liberté à chaque instant de l'annuler, de ne rien prendre du tout, de rester sur la location si ça vous arrange. C'est vous qui voyez, vous êtes libre de vos faits et gestes. En tout cas, les prix sont dérisoires, n'hésitez pas. Voilà, c'est un moment de partage et je pense que c'est intéressant pour ceux à qui ça résonne. Voilà, allez, on avance. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une 6. Nous avons une 6. Qu'est-ce qui nous détourne de cette carte? Sachez aussi que je rajoute des cartes, hein, sur Vimeo lorsque le tirage a besoin de précision à mon sens. Alors, je vous les montre, mais je ne vais pas les mettre. Hein. Nous avons ici... du bâton et nous avons la carte de la transformation, hein. il y a effectivement une perte de quelqu'un, hein, qui remonte à la surface, hein. Ici elle a sauté, nous avons la 4 de bâton, on parle du foyer toujours, hein. Sur le passé avec cette 3 d'épée, allez, je vous les mets à deux, nous avons la 10 de coupe, et oui. Alors ici, cette arcane majeure, je ne la connais pas bien. Je vous dirai ce que c'est sur Vimeo. J'ai besoin de regarder. Parfois, des cartes, je ne les connais pas encore toutes parce qu'il y en a plus que dans le tarot habituel. Et parfois, j'ai besoin de regarder ce que c'est avant de pouvoir vous dire exactement comment j'interprète la carte. Ensuite, sur votre force... J'ai l'impression que c'est le sens des moissons. Il y en a encore deux. Bah, je vous les mets, tant pis. Hein. Tant pis ou tant mieux. Hein. Ici, nous avons une dame. Alors, je ne sais pas, une 4. C'est peut-être une 4 de denier. Ici, nous avons la carte de l'ermite. Nous avons ici, sur votre état d'esprit, une 3.
3 de bâton. Sur le présent, c'est peut-être même pas la carte du bâton, c'est peut-être juste, c'est peut-être même une arcane majeure celle-là. Ouais, c'est une arcane majeure. Allez, vous en avez des cartes hein, quand même. Hein. Ici, on a la 7 de bâton, vous voyez, sur votre présent. Il y a une maîtrise à prendre hein, sur ce mois. Alors, sur l'inconscient, sur cette valet d'épée inversée. Elle tombe. On a la 2. Une 2. C'est bien les deux. Ça parle d'ouverture, ça parle d'avancement. Sur votre défi, et oui, avec la tour, on a la 10 d'épée, hein, on est allé jusqu'au bout. Et sur le futur, regardez la magnifique carte dont je vous ferai bien évidemment l'interprétation sur Vimeo. Je vous tire tout de suite votre carte de l'Evidentia, qui est un oracle d'amour, qui vous propose de vous inspirer d'une énergie colorée pour vous aider à faire circuler les bonnes énergies émotionnel sur tout ce mois de mai. Oups, elle s'est déjà retournée. Oh, magnifique, regardez ce cœur d'océan. C'est une très jolie carte, un cœur bleu avec des couleurs pastel. C'est très, très, très joli. Ça va être très, très prometteur. Allez, je vous tirerai également sur Vimeo les 5 cartes du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Soit vous vous inspirez d'une question, soit vous vous laissez porter par le jeu. L'important, c'est effectivement de bien s'imprégner de son histoire. Et je le ferai en direct, ce sera plus cohérent pour moi. Et j'ai remarqué au travers de mes tirages personnels, les gens se posent des questions. Et en fait, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand répond autre chose. Et les gens ne comprennent le message qu'ultérieurement en fonction de leur vécu. Allez, je vous dis, mes amis Capricorne, à tout de suite pour ceux qui me suivent sur Vimeo. Pour les autres, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, pourquoi pas. Je vous dis à très bientôt avec vos prochains tirages et je vous embrasse bien fort. Passez un excellent mois de mai. Bisous, bisous.